Aujourd'hui, nous sommes vendredi 10 juin. Et oui, déjà. Programme du jour. Ne m'en parlez pas. Déjà, j'ai beaucoup de messages à répondre encore. Là, j'en ai déjà effacé 3. Mais ça, ce sont ceux depuis que je suis partie à 6h30. Donc, ce sont pour des cartables. Encore. Et oui, encore. Ça va être une journée de dingue. Je ne pensais pas que mes cartables marcheraient autant. Mais alors, quand je vous dis autant, c'est que... Je vais vous remettre. J'arrive pas à... Voilà. Je sais pas. Vous avez pas... Hop. Voilà. Quand je vous dis autant, c'est... je ne fais que ça d'avoir des demandes. Je les ai mis, donc, du coup, mercredi soir... mercredi après-midi. Fin d'après-midi. En ligne sur le marketplace donc de Facebook. J'avais 11 cartables en stock. Le soir même, je n'en avais plus. Il n'en restait que 2. Ils ont tous été pris, j'ai encore eu beaucoup de demandes. Là, je suis arrivée au point où je montre directement les papiers des futurs cartables que je compte faire pour que les personnes puissent choisir et du coup me dire avant ce qu'ils veulent. Là-haut, vous n'allez pas voir, mais... Hop. Il fait nuit. Attendez, je vous montre. Voilà, dans le plat. Là, ici, vous avez tous les sacs qui doivent partir aujourd'hui, normalement. Il y en a 2, je n'ai pas encore de date. Un que je n'ai pas encore de date. J'en ai d'autres à réaliser. Bon, entre deux, un message. Une de mes clientes, du coup, son mari, voulait savoir si il est passé vers 11h. Non, 14h. Du coup, je pense que voilà, il va venir tout de suite. Donc ça, j'ai pris du petit déjeuner pour pouvoir déjeuner. Ah oui, j'ai vu gros, mais arrête. J'en ai pris pour Lana, je sais pas ce qu'elle voulait, donc j'ai pris un peu de tout. Là, je vais répondre à tous les messages. Il faut que je monte les vlogs. Alors, programme du jour, montage de 2 vlogs. Puisque j'ai le vlog normal que j'ai pas pu vous monter hier, du coup, et le vlog d'hier. Sachant que entre deux, il faut que je fasse des cartables. J'ai un sac à faire pour ma collègue que je n'ai toujours pas fait. Il faut que j'aille au Mondial Relais et faire des 2-3 courses à Auchan, faire des cartables. Voilà. Je devais filmer aujourd'hui l'album, mais suite à mes catastrophes, voilà. D'ailleurs, j'attends une nouvelle carte mémoire aujourd'hui. Voilà. Il me reste que ça en papier blanc. Du coup, je vais me les garder pour les cartables. Je n'ai pas filmé aujourd'hui, c'est pas grave. C'est prévu demain, normalement, il me semble que c'était le 11 que ça me disait. À part, entre le 11 et je ne sais plus qui. Enfin, c'est commandé, je les attends. Donc, ça va attendre. Petit déjeuner, mon café, il est fait. Et puis, j'attaque, c'est parti. C'est une journée de dingue, je le sens. Et il faut que je retrouve des papiers pour pouvoir refaire mes... Quel cartable je vais faire aussi. Olaf, on t'a vu ? Olaf, qu'est-ce que tu fais, mon chat? Mange pas mon manteau. Mange tout. Hey, re-coucou tout le monde. Bon, je vous reprends un peu plus tard. Il est quasiment 5h. Il est 16h53. Je viens de rentrer de l'école. Je voulais me reposer, mais j'ai pas le temps. Je me suis mis dans mon lit 20 minutes ce midi. Au moment où je m'endormais, mon téléphone sonnait. Il me fait chier ce numéro de téléphone. Du coup, où j'en suis, eh bien j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartables de réservés. Là, il me reste plus qu'une commande à partir. Toutes les autres, ça y est, sont parties. Mais celle-ci, elle est à 19h. Donc j'ai encore un petit peu de temps devant moi. Il faut que je finisse mon montage parce que du coup, j'ai même pas mis le nez dans les montages. Du coup, je me retrouve avec 2, 4, 6 donc, cartables de réservés. Il y en a un, j'ai pas encore la date. J'attends que la cliente me dise quand elle veut. Marketplace. Donc voilà. J'ai 3 crayons à voir aussi pour une cliente. Mais là pour ce week-end, je pense que normalement j'ai pas de rendez-vous. Donc c'est à voir. Je vais avoir beaucoup de cartables à faire. Je voudrais en faire un minimum d'un stock de 20. Voilà. Pourquoi tout simplement parce que j'ai une entreprise qui m'a contacté, un petit artisan aussi, qui souhaiterait voir si ça pourrait. Elle fait des bougies. Et voilà, elle en voudrait 20. Elle veut d'abord se renseigner, voir si ça peut plaire ou pas.
pour faire des petits paquets. Du coup, il faut que je termine ceux que j'ai de façon à ce qu'elle prenne les photos de ceux disponibles, puisque au départ, elle voulait prendre ceux que je n'avais plus. Donc voilà, donc là, les premiers, j'en ai plus du tout. Le dernier vient de partir. Il faut vraiment que je me bouge à fignoler tout ce qui reste à fignoler. Mais du coup, là, je viens juste de terminer le focage que j'avais à faire, c'est-à-dire le sac. Il est là. Hop, ici pour la collègue de ma collègue. Voilà, donc je vais y ramener demain. J'ai fini aussi, j'ai ma voisine du premier étage qui me fait floquer beaucoup de choses pour sa fiole qui va pas tarder à naître. Elle sent qu'elle va pas aller au bout et du coup elle a acheté une petite couette entourée dans un doudou. Elle a trouvé ça au Kaidi puisque il y a le sac. Et du coup elle voulait que je mette le prénom de la puce dessus. Donc ça y est, c'est fait, c'est pareil, elle va pouvoir venir le récupérer après puisqu'elle veut l'offrir demain. Elle me l'a monté pas hier mais avant-hier. Donc ça c'est fait, donc là je fignole mes cartables jusqu'à 6h maximum. J'ai mon frère qui doit passer aussi, mais plus voir monsieur que moi. Genre si j'avais à fignoler celui qui veut, j'y donnerais celui qui veut aussi. Et à 6h j'irai au bain, live à 21h, faut que je vous remette un post, enfin bref, on continue, on avance, on se bouge. Le popotin, ouais. Et du coup mon papier blanc, j'ai reçu, il a été expédié, normalement c'est entre ils me disent entre mardi et jeudi. J'espère que ce sera plus mardi. Là faut que je sois dans la boîte aux lettres en plus parce que ma carte SD que j'ai commandée a été livrée dans la boîte aux lettres. Demain j'attends un lot de papier de. Un lot de tapis de découpe. Faut que je recommande une lame silhouette aussi, la lame va commencer à user. Ça, j'attends ça demain. Et qu'est-ce que j'attends d'autre? Des aimants que je vous ai dit. Donc voilà. Amazon est mon ami. Mais bien sûr. Allez, moi je vous reprends tout à l'heure. Je continue mes cartables. Je vous ai dit que c'est une journée spéciale cartable. C'est pour ça que je ne vous ai pas trop filmé. Je vois beaucoup de personnes, en plus vous m'identifiez dessus, qui reprennent mes photos de la boutique pour pouvoir récupérer le fichier. Alors je sais que vous m'identifiez dessus. Je mets juste un j'aime sur l'identification. Mais c'est tout, je ne dirai pas. Voilà, je laisse les gens faire comme moi, se débrouiller. Alors il y en a, ils sont adorables parce qu'ils mettent vous avez qu'à aller voir sur la boutique de Maric directement. Et je ne dirai pas mon fichier ni rien du tout. Les gens ils font comme moi, ils cherchent en fait. Je passe assez de temps à chercher et puis à travailler. Je vais pas non plus mâcher les mots à tout le monde. Enfin mâcher les mots, vous m'avez compris. Ah. Donc voilà, donc, mais je suis contente, franchement je m'attendais pas à un tel succès pour ces cartables et du coup bah, je passe 41 je crois. D'ailleurs il faut que je mette à jour. Hop là, j'arrive à mon ordinateur qui était posé sur mon lit parce que du coup j'avais besoin de l'espace là pour le faire. Oui parce que je me suis fait carrément sur Notion un petit tableau des cartables pour voir un petit peu ce que ça a donné, si ça a beaucoup marché et prévoir pour l'année prochaine. Et du coup... Donc j'étais à Nathalie et là j'ai. En plus je mets des pseudos Facebook. Et je sais pas encore quand est-ce que j'ai un cartable. Non, c'est pas 1 euro, c'est un cartable. Donc un cartable c'est 5 euros. Et un cartable. Ah. Voilà. J'ai Chalotte. Qui elle mardi mais elle m'a pas encore dit quand, elle m'a pas encore dit à quelle heure mardi parce qu'elle a rentré de vacances et du coup qui veut 3 crayons 4 8 12 hop là ouais. C'est pareil, je note au niveau des crayons comme ça je saurai aussi. Les crayons marchent un peu moins, les crayons c'est pas pareil, les crayons je peux les faire au fur et à mesure. Donc voilà. J'ai mon téléphone qui s'amuse là, qui vibre de partout. Hop là. Donc voilà, je crois que j'ai tout. Voilà. Donc oui, je suis à 20. Seulement 20? Pourquoi j'avais compté plus? Ben non, seulement 20, je crois. Celui-ci là, oui, celui-là il est pour qui?
si je peux à mes étiquettes. Ah non, Camille Henry. Hop là, que je vois qui va passer lundi. Donc je suis à 21. Elle va passer. Mon frère, je pense qu'il va repartir avec aujourd'hui si je l'ai fini. Lundi 13. Voilà. Et un cartable. C'est ça. Je suis à 21 cartables quand même. Ça en fait. Hein. Et si la commande de 20 se fait, eh bien, je serai à 41. Sachant que là, j'en ai fait. Je vais vous montrer. Bon, comme d'habitude, c'est le bordel. Là, c'est ma commande de 11h. Bon, j'avais tout ça en sac. Je ne sais pas si je vous avais montré, mais voilà. Là, vous voyez, donc ici, c'est le cartable de côté pour donc ma chef. Mais il faut que j'en fasse un deuxième dans les tons violettes pour la Tsem. Ici, c'est celui pour Letty, qui m'a juste la pochette de devant à faire, mais c'est pour lundi matin. Celle-ci, c'est pareil, c'est pour Jess. C'est pareil, j'ai rendez-vous avec elle lundi matin. Mais le trou ne s'est pas fait ici, en fait. Du coup, j'ai mis un sparadrap, mais ça a du mal à tenir. Ici, donc c'est mon frère qui m'a mis celle-ci de côté. Celle-ci, c'est pour du coup Camille lundi. Et celle-ci, c'est pour Fnifni. Et du coup, c'est pour la semaine. Je ne sais pas encore quand. Elle travaille à côté, donc du coup, ce sera sur son repas midi. Il n'y a que mardi que je dis que je ne pouvais pas. Et Charlotte, elle, c'est 3 crayons. Donc au niveau des crayons, elle veut un Clématis, il y a Clématis qu'elle veut, un Mountain Lake, et après elle hésite avec soit un Poppy, soit un Dahlia. Donc je vais faire un Dahlia et elle choisira après. Et du coup ici, alors je me suis assise dessus, c'est malin Marie, que je pense que voilà, il va aller à la poubelle, hein. C'est malin. Et du coup j'ai ces 6 là en cours, il me reste juste les finitions à faire. Et j'ai ressorti plein d'autres papiers, mais je crois que je vais y refaire un tour à Action pour voir ce qu'ils ont comme papier là. Ouais, parce que j'enlève tous les meilleurs et du coup voilà. Bon, vous avez Olaf aussi qui dort sur mes rideaux, parce que oui, elle a fait tomber ma barre à rideaux. Elle a décroché ma barre à rideaux carrément. Je vous montre. Voilà. Pour faire tomber mes rideaux. Et elle a été couchée dessus par terre. Elle a mis les rideaux sur le lit. Et du coup, bah, elle se couche sur le lit, sur le rideau. Je sais pas pourquoi, mais ça lui plaît. Mais bon. Hey, coucou tout le monde. Bon, ça y est, je viens de rentrer du travail. Qui c'est que j'entends miauler? Je viens juste de rentrer, j'ai encore mon sac à main là, vous voyez. Qui c'est, j'entends miauler? T'arrives pas à grimper? Oh. Bonjour mon bébé. Maman est rentrée? Tu vas tomber. Maman est rentrée? J'étais partie? Non, tu veux descendre, tout compte fait. Mais tu veux des papouilles? Non, je descends. Bon, du coup, je viens de rentrer du travail avec une boisson très fraîche encore quand même que m'a offert ma collègue. Quand elle a vu la chaleur du magasin, elle m'a dit tiens, cadeau. Et ça fait du bien. Je suis passée à Action, voir pour des blocs. Pas grand chose. Du coup, j'ai juste repris deux comme ça. Et quatre comme ça. Donc du coup, c'est pour mes cartables. Faut que je fasse mon lit. Ça, c'est mon sac à main. En plus, j'ai oublié mon chargeur de téléphone au travail. J'ai ma cliente qui devait venir vendredi, qui était... Ah, juste, j'ai un appel en absence. Mon téléphone, il a dû se mettre sur... Ah, il n'y a plus de sonnerie. Qui m'a répondu ce matin en me disant que bah, mon message avait été avec d'autres messages et tout. Du coup, elle n'avait pas vu. Donc là, les anniversaires, elle passe après. Deux colis Amazon. Voilà, imaginez le truc. Celui-ci. Là. Hop. Ici. Et ici. Donc, un gros carton comme ça. Pour ça. Sans aimant. Voilà. Anna va être contente parce qu'elle fera un carton pour quand il y ait des livres envoyés. Et... ça, c'est un grand carton qui pourra me servir, pourquoi pas, pour poser si la personne me commande les 20 cartables comme c'est prévu. Pas les fermer, mais au moins les poser debout. Et cet énorme colis.
juste pour ça. 3 tapis de découpe pour la silhouette. Oui. Pour la silhouette. Coucou, bon, il est quasiment 7h, je me rends compte que j'ai toujours mes lunettes de soleil au-dessus de la tête. Ok. Il est 6h59. J'ai ma cliente qui est celle de vendredi qui vient juste de passer là. Du coup, je vais pouvoir checker sa commande là. Voilà. Bon, j'avance. Ouais. Donc voilà pour ça. Là, je suis en train de regarder ce que je vais mettre à la télé. J'ai découpé tout ça. Là, c'est la partie 1, puisque pour avoir les cartons, comme c'est des grands, il me faut 2 feuilles. Donc là, j'ai déjà fait la première partie 1. Je vais faire les anses. Je vais mettre les anses tout de suite et après, j'imprimerai les deuxièmes. Mais là, je sais pas, j'ai changé mon tapis de découpe. Et à savoir pourquoi, maintenant, mon papier est blanc, il a du mal à se découper. Je sais pas pourquoi. D'habitude, il fallait que si je mettais à plus de 20... monsieur se croit en boîte de nuit. Si je mettais à plus de 20, ça m'arrachait le papier. Et là, même à 33, j'ai du mal. Donc là, du coup, j'ai mis en à passer 2 fois. Tiens, Sydney Fox, aventurier, il y a longtemps que j'ai vu ça. Voilà. Bref, moi, je reprends plus tard. Allez, recoucou. 20h15. Je vous reprends pour la dernière fois aujourd'hui. Je n'ai toujours pas fini mon montage de vlog. Je vais essayer de le faire là, de finir là, de le mettre à charger. Et on verra demain si j'ai le temps de le faire. Je vous disais en plus qu'il fallait jouer pour acheter une... Il me semble que je vous le disais. Une lame de silhouette. Et je sais pas, j'ai une illumination. Et je me suis rappelé que j'en avais une d'avance. Donc j'ai acheté. Ça coûte beaucoup mieux. Je vous promets, ça coûte beaucoup mieux. Je vais en racheter une quand même. Il y en a une dans le panier Amazon là. Je vais en racheter une quand même. Parce que pour en avoir une d'avance. Fifi a vu Johanna passer du coup à Miel. Vous la voyez là. Voilà. À Miel. Mais de loin. Voilà, elle est encore en chaleur. Ici, vous voyez, 8 cartables. J'ai réussi à faire 8. Alors, ils sont pas finis. Il me reste à mettre... alors, je vais vous montrer celui-là parce que j'avais préparé là, ce moment-là. Mais l'autre dessus, il a bugué. Il faut que je regarde normalement si j'ai encore un autre, sinon il est une poubelle. Il me reste à mettre l'attache. Je vais prendre celui-ci. Celui-là, il me reste plus qu'à mettre le nom là. Mais la personne voulait un nom, le nom de la maîtresse, Madame Leleu, je crois que c'est. Du coup, il me reste ça. À mettre, donc sur tout ce qu'il y a là, il me reste la tâche parisienne à mettre pour pouvoir le fermer et ça à faire aussi. Et ils sont très terminés, mais je verrai ça demain parce que franchement, je suis épuisée, claquée, fatiguée, tout ce que vous voulez bien. Donc je suis contente parce que du coup, j'en ai 6 de fait, ils sont même déjà en boutique. J'en ai 8 ici, ce qui fera 14. Je suis plutôt pas mal. Je me dis que si jamais la boutique en question veut les 20, et bien il me restera plus que 6 à faire, sauf si j'ai des commandes entre deux. Il faut que j'envoie à ma collègue aussi. Faut que je teste son palmier parce que du coup elle voulait un palmier. J'avais mis 2 papiers de côté pour lui faire et seulement je me découpe à la planter hier. J'en ai perdu 3 cartables hier. Bah mon papier collait tellement plus, mon washi j'avais réutilisé le même et enfin bref, voilà. Donc j'ai planté, faut que je vois si j'arrive quand même pas à l'utiliser sur la plus petite découpe. Il en faut 2, il faut que j'envoie des photos aussi demain parce que du coup sa collègue qui m'a pris le sac piscine veut aussi 1 ou 2 cartables, je sais pas encore combien. Donc il faut que j'en envoie, donc il faudrait que j'en refasse quand même plus. Mais voilà. Donc boulot, je suis. Franchement, je suis épuisée là. J'ai qu'une envie, c'est de une petite sieste. Enfin, là, c'est pas une petite sieste, ça c'est le dodo carrément. Donc je vais me préparer pour la nuit et puis me coucher. Parce que j'en peux plus. J'en peux plus. Ouais. Donc voilà. Mais je suis contente parce que mes cartables, ils ont super bien marché. Donc là, je me retrouve avec. Je me suis acheté, je vous avais montré une petite caisse ici. Du coup. Ma petite pièce, c'est pas le tip top, hein, mais tiens, oh, c'était mon doigt, plein de billets. Voilà, plein de billets. Donc ça, du coup, c'est pour mon projet de Noël que je mets de côté et ouais. En espérant que ça aille pas trop cher, que je puisse me le permettre. Donc il va me falloir d'autres projets comme ça qui fonctionnent bien, qui vous plaisent. Et puis voilà. Ouais. Donc, là je vais pas les mettre sur mon compte tout de suite. En tout cas, je les garde en espèces au cas où. Et parce que quand je les pose sur mon compte, ils se prennent 20%. Puisque le compte de la boutique, c'est le compte nickel.
Et du coup, bah, ça fait quand même ça de 20%. Donc, si vraiment je dois aller les mettre, faut que je les mette sur mon compte. Dans ce cas-là, ce que je ferais, c'est que je me ferais un virement de mon compte perso à mon compte pro et je garderais le liquide pour moi. Je ferais comme ça. Donc, voilà, voilà. Ouais. Vous voyez, je suis fatiguée. Donc, je finis mon montage de vlog pour essayer de vous le mettre dans la matinée demain et ou à 1h30 comme d'hab. Et puis, c'est tout. Donc, voilà. Allez. Je vous souhaite une bonne nuit. Hey, coucou à tous, comment t'es-vous? Ouais, alors là j'ai une tête à faire peur, je le sais, je viens tout juste de me réveiller. Mon café est fait, mais je vous prends par là. Oh putain, la tronche. Je me fais peur toute seule. Toute rouge en plus, c'est un truc de dingue, mais il fait lourd. Je viens juste du coup, je disais, de me réveiller et je vous prends par ici parce que bah, tout le monde dort dans la chambre, enfin tout le monde, entre guillemets, tout le monde dort dans les chambres. Du coup, je vais me poser dans la chambre aussi, sur le bureau, mais à travailler sans faire de bruit. Je vais terminer les faire part où il m'a juste l'intérieur à écrire, découper, enfin écrire, imprimer, découper, coller. Et ben ouais. Déjà, je vais faire ça. Mettre ma compta aussi à jour et puis fignoler les cartables. Et puis après, je vais bien voir ce que je vais faire si j'en refais d'autres ou pas. Sûrement, parce que je crois qu'il me faut des violets. Donc, sûrement. Donc, voilà, voilà. Moi, je reprends tout à l'heure avec une meilleure mine. Premier juré. Allez, recoucou tout le monde. Bon, il est déjà 10h. Déjà. J'ai toujours une tête de fatiguée. On est bien d'accord. Moi. J'ai l'impression que moi. Non. Oh, j'ai quand même des. Bon, on s'en fout. C'est pas un vlog beauté, Marie. C'est bordel sur mon bureau, on est bien d'accord. J'ai commencé à programmer ma semaine pour semaine prochaine. Alors, quand je dis commencer, c'est je suis arrêtée à mercredi. Si tout se passe bien, que je filme comme je veux, j'aurai terminé du coup le tuto mardi. Si tout se passe bien, je dis bien. Tout dépend parce que ça a été une cata cette semaine. Là, je range un tout petit peu. Ma chambre, enfin, je vais essayer en tout cas, parce que c'est plus que Bagdad. Olaf est super excité, il fait super lourd, mais je ne vais pas ouvrir ma fenêtre. J'en ai profité qu'elle n'était pas là pour l'ouvrir, mais elle a dû sentir l'air, elle est venue direct aussitôt au niveau du mur. J'ai mon imprimante qui ne veut pas imprimer, qui me fatigue. Au niveau du mur, au niveau de la fenêtre, et je l'ai retrouvée sur le rubber encore. Ça me saoule de ne pas pouvoir de ce temps-là ouvrir. Du coup, là, j'ai ouvert, mais ça tient avec le truc, et en fait, bah, il n'y a pas d'air qui passe. Afficher plus, imprimer, je recommence. Là, j'ai une cliente qui m'a repris deux cartables, donc du coup, il ne me reste plus que quatre de près. Elle passe en début d'après-midi, normalement, elle me retient au courant. Elle doit venir dans le quartier aujourd'hui, donc ça. Je vais finir ce qu'il y a là. Là, je vais travailler sur mes faire parler finir. J'ai juste envoyé le texte que m'a envoyé ma cliente à Ninon voir s'il y avait des fautes. J'attends de voir si elle me répond ou pas. Et puis je vais faire ça comme ça. Je vais finir les faire part et je pourrai les expédier demain. J'ai dépouillé mon lit. Ma couette est en train de sécher. Mes draps sont en train de laver. Je suis au taquet. Mais ouais, faut que je range ma chambre parce que c'est le boxon. J'ai pas arrêté de bosser. J'ai des papiers partout. J'ai des chutes de papier à gogo. Donc faut que je les coupe correctement et pour que je les pour les mettre bien. Et ouais. Il y a du boulot. Je me suis fait un fichier compta aussi. Spécial cagnotte. En dehors pour savoir ce que j'ai dans ma petite caisse en espèces. Donc ça c'est des sous que je ne touche pas. J'ai juste pris 10 euros hier pour acheter des blocs. Aïe. Ça y est, c'est imprimé. Donc j'ai juste pris ça et là, c'est ça. Et du coup, je verrai si je suis motivée de lundi. Comme je passe à côté, je vais au champ Montgaillard pour revoir deux clientes. Je retournerai voir à Action s'ils n'ont pas mis... des nouveaux blocs au cas où. Je serai à côté, donc on verra bien. Ma cliente pour la grosse commande, je cherche mon stylo cranteur, il est là. Ma cliente pour la grosse commande, elle doit poster au plus tard demain sur
sur son Facebook pro les cartables, voire pour me redire. Donc là il me reste les 8 à finir. Atsem, le Madame Leleu. Hop là. J'ai des clientes qui demandent à ce que ce soit avec le nom. Alors ce que je fais maintenant, je ne colle plus. Quand je fais mes photos, on voit qu'il y a marqué merci maîtresse, tout ce qui s'ensuit. Mais je ne les colle plus. J'ai fait un système. Alors, il doit être par là mon petit truc. Non, il est où? Je ne sais plus. J'ai mis un petit washi. Non, il n'est pas là. C'est pas celui-là. Bah, bref, j'ai mis un petit washi dessus. Comme ça, je peux coller et le décoller. Je le mets juste pour les photos et puis je le retire après. À dépouille. Aïe. Bah, va... Olaf, tu arrêtes. Tu as ton Olaf. Vas-y, son ours. Donc, voilà. Ça, c'est mon livret de famille. Je le prends plus avec moi. Je n'en ai pas besoin à longueur de temps. Ça, j'en ai un besoin pour ma vidéo de demain. Ça aussi, voilà. Gros plan sur ma tête. Du coup, donc, voilà. Ouais. Donc, je vais faire de la place, ranger, terminer mes cartables, réimprimer des anses parce qu'il y en a un, bah, j'ai plus d'anses, donc j'ai arrêté. Et puis, je reprendrai des cartables. J'ai découpé tous les papiers que j'avais mis de côté hier. Il me refaut des violets pour ma collègue, pour ma chef. Elle veut un violet. Donc, voilà. Là, j'ai envoyé, j'ai fait... Thiago, c'est... Normalement, il est dessus. C'est bon, ça, je peux le jeter. Hop là, donc ça, là, c'est un merci. Attends, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une roulette, elle est tombée. Ah, tant pis pour elle. Donc voilà, donc moi je continue, on est dimanche, mais je travaille quand même, on a l'habitude. Allez, je fais des bisous. A plus tard. Hey, coucou tout le monde. Bon, je revois beaucoup aujourd'hui, mais en ce moment, mais je suis, voilà, c'est pas spécialement intéressant pour vous, et je ne me pose même pas. J'avais un sandwich vite fait entre deux. Je sais, on est dimanche, je me repose pas encore. Je vais être épuisée toute la semaine, mais c'est pas grave. Il est 16h22. Je me poserai tout à l'heure dans un bon petit bain. Du coup, j'ai une cliente qui est venue chercher deux autres cartables. J'en avais 12 en stock. J'en ai plus 12. J'ai ma collègue aussi qui a choisi les deux qu'elle voulait aussi pour sa fille, donc ça c'est fait parce que j'en ai beaucoup qui attendaient les nouveaux modèles. J'ai la maman aussi du copain Jonah, Kellyam, vous savez celui qui va au foot. Je viens juste de lui envoyer les photos des modèles pour que donc elle choisisse. J'ai une cliente d'hier, Camille, qui m'a renvoyé un message pour en avoir deux pour sa soeur, donc j'ai mis de côté, elle vient les chercher demain. Voilà, d'ailleurs faut que je mette à jour mes rendez-vous de demain avec mes cartables et puis le nombre que je vends. Mais voilà, je n'arrête pas. Franchement, c'est juste que du bonheur. Voilà. Moi qui voulais mettre des sous de côté, qui me disais est-ce que j'avais assez pour mettre des sous de côté pour mon projet du mois de décembre, et bien écoutez, c'est bien parti parce que sans compter les rendez-vous qui vont arriver, je suis déjà à presque 100 euros. Bon, il va en faire beaucoup, beaucoup plus. Hein. Je ne sais pas du tout combien ça va me coûter. Mais voilà, donc il faut que je mette de côté et voilà. Ouh, ça fait juste trop plaisir. Ouais, c'est des sous vraiment que je n'y touche pas. Bon, après, tout ce qui est paiement en espèces, tout ce qui est paiement en carte bleue, bah, ça va servir à payer l'URSSAF et tout ce qui s'ensuit. Mais tout ce qui est paiement en espèces, je ne touche pas pour le moment. Et puis, ça va dans la petite cagnotte. Donc voilà, je suis contente. Donc je continue mes cartables. Mes faire-part sont complètement terminés. Le colis est fait. Il n'a plus qu'à être déposé mon gel relais demain. Donc je suis contente. Franchement, ouais. Donc du coup, ma cliente Camille repasse demain chercher pour sa sœur. Donc ouais, non, je suis contente, ça marche bien. J'ai beaucoup de chutes aussi de papier, mais ça je vais m'en servir pour faire mes fermetures de sachets. Quand j'aurai un petit peu de temps, je ferai les découpes, je mets de côté pour le moment. Et puis voilà, j'ai fait du tri aussi dans mes blocs actions au fur et à mesure pendant que ça se découpe. Je vais vous montrer là. J'ai sorti une grosse caisse et en fait, donc ça c'est des vieux blocs. J'ai carrément dépouillé mes blocs, de toute façon je ne fais pas d'album avec. Ça c'est que quand j'ai qu'une seule feuille. Et ça c'est quand j'ai les deux feuilles identiques. Donc comme ça sera plus pratique pour moi, du coup, après, pour quand j'aurai besoin de chercher des feuilles. J'ai fait mon vlog, j'ai enfin réussi à faire mon vlog, mais j'ai toujours fait miniature. Et je ne l'ai toujours pas mis, je vais y arriver. Franchement, je suis débordée. Vous allez être en retard dans les vlogs, un truc de dingue. Mais voilà. Donc je continue, sachant que ma collègue, en plus, j'avais envoyé des photos avant d'avoir ma cliente d'hier, d'avant-hier, en MP.
Et du coup, elle en veut un qui est déjà vendu, mais coup de bol, je peux en refaire un, puisque j'avais trois blocs identiques. Donc, coup de bol. Donc, la première partie, là, est coupée. Je coupe la deuxième partie. Là, je suis en train de faire les découpages. Après, je ferai les assemblages tout à l'heure, mais voilà. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait beaucoup, beaucoup de boulot, mais ça fait vraiment plaisir. Je vivement papier blanc parce que... Ouais, voilà. Donc non, ça fait... Franchement, ça fait super plaisir. Et je suis en train de chercher aussi... faut que j'envoie un texto aussi à un client qui préfère par message et tout. Qui, lui, veut trois cartables. Donc, voilà. Et je vais supprimer mon annonce des premiers cartables puisque j'en ai plus aucun d'ordre disponible et remettre une nouvelle annonce avec les nouveaux cartables. Ouais, j'ai plus d'ongles, j'en ai perdu 3. Dans mon bain, j'essaierai d'enlever les autres. Ils commencent déjà à se décoller, je les referai pas. Je les referai pas et puis non. Donc il faut juste que j'arrive à les enlever avant mardi que je filme. Puisque faut que je modifie aussi mon emploi du temps de demain parce que demain, je vais pas avoir le temps de filmer tout qu'on fait. Bref. Nouvelle série, j'ai abandonné, abandonné entre guillemets, j'ai mis en pause celle que je regardais, Outbank, là, et j'ai mis First Kill, j'aime vraiment beaucoup. C'est une romance, on va dire, femme-femme. Mais sauf que, déjà qu'une romance femme-femme, c'est pas spécialement compliqué de nos jours. D'ailleurs, hier, il y avait une manifestation dans le Havre pour les LGBT. Et là, en plus, t'as une vampire et une chasseuse de vampires. Donc voilà, tout est bien. Mais j'aime beaucoup First Kill. Je suis à l'épisode 6 de la saison 1. Il n'y a qu'une saison, je crois, pour le moment. Donc voilà, j'aime bien. Donc si vous voulez, allez-y. Moi, personnellement, qui aime bien le fantastique, j'aime beaucoup. Il est sombre, je rallume juste vite fait. Il est 9h30, je vais pas tarder à aller au dodo. Voilà, le bain est fait, manger, c'est fait. J'ai bossé jusqu'à presque 8. 7h30 Du coup, oui, non, désolé, je vais parler avec ma collègue puisqu'elle m'a pris deux cartables pour elle, donc j'y donne demain. Et il en faut 4 du coup pour sa collègue, mais sur un autre chantier. Sauf que sur les 4 qu'elle m'a montré, il y en a un qu'elle a pris, donc c'est pas possible. Donc j'attends encore pour le 4e. Et puis voilà, j'avais bien remonté mes cartables. Et en fait, du coup, bah, ils sont bien descendus parce que du coup, je crois qu'il ne me reste plus que 6 sur 13. Ouais. Voilà, mais c'est que du bonheur, oui, oui, oui. Du coup, ben là, j'avais déjà préparé donc, du coup, mon sac pour ma collègue, du coup, Nathalie. Les deux personnes que je dois aller voir en sortant de Coty, on a rendez-vous au niveau de Montgaillard, pour ceux qui connaissent le Havre, au niveau de Auchan. Et du coup, ben là, faut que j'y ramène en même temps cela, mais il faut que je fasse mes étiquettes du dessous et je colle le merci maîtresse. Donc voilà. Donc je vais peut-être pas me coucher tout de suite, dans une petite demi-heure. Pourtant je suis fatiguée. Ma chambre est faite, mes draps sont propres, mon dehors de bureau est rangé. Il me reste encore un peu de bordel sur le bureau, mais bon, c'est pas grave. Et puis voilà, j'ai eu un bon dimanche. Pas de repos, mais un bon dimanche. Ouais. J'ai attaqué une nouvelle lecture, c'est quand? Samedi, je crois. C'est Le Prince quelque chose. Je vous mettrai le nom avec la pochette là, juste là. De celle qui avait lieu de la même hauteur que la trilogie d'Arcy. Le départ était un petit peu long, là je suis sur la fin, je suis à 70%. Arrête de manger ça! Ça commence à devenir intéressant. Ouais, voilà, petite course poursuite et tout, donc assez sympa. Donc voilà, donc, moi je fais mes petits pseudos en dessous et puis je mets les merci maîtresse. Et puis voilà, après je vais au dodo. Donc moi je vous souhaite une très très bonne soirée. Je clôture le vlog pour ce soir. J'espère que j'aurai le temps de vous le faire demain pour que vous l'ayez demain soir. Et puis voilà, allez, bisous, à bientôt.